crazy. Après, on a le compteur François et Liberté. Chris, ça brassait quand même cette émission-là. C'est ça à quoi ça me fait penser un peu? Ça finit bien la semaine. C'est un peu le concept. Oui, oui. C'est-à-dire tout pis rien. Genre, salut, c'est Noël, une chorale. Puis après ça, on joue un jeu. Il faut que tu te mettes à quatre pattes, tu te rentres d'une maison d'enfant, puis tu nous fais une toast au beurre de pinot. On dirait qu'on comprend pas comment on peut ni gagner ni perdre. Fait que c'est pas vraiment un jeu. Pis, mais j'aime ça. Parce qu'on gagne à rien. C'est le fun de réaliser qu'ils n'ont pas rien inventé, ce monde-là. Non, ils refont des concepts d'émissions de 1987. Puis ça, c'était une quotidienne en plus. Fait qu'à chaque jour, il fallait qu'il faut quelque chose. Hey, c'est quand même. C'est pour ça que ça devient un peu n'importe quoi. Puis pas le tous les jours de maintenant, là, de la télé paresseuse qui ne travaille pas le vendredi. Non, c'est ça. Non, tous les jours. Que c'est juste 5 semaines de saison. Puis après ça, tu es en vacances. Mais c'est ça, il y a François Laliberté qui est un conteur qui vient raconter l'histoire de Tigeant. Puis ça commence vraiment bizarre, puis il m'a perdu assez rapidement. On va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il dit. Tigeant. Est-ce que c'est Keb? Ben voici notre conteur, justement, qui nous présente la suite de l'histoire de Tigeant. François Laliberté. Il était une fois. Il était une fois dans une réalité qui est peut-être la vôtre, qui ne l'est peut-être pas, mais qui un jour, de toute façon, la sera. Il était une fois Tigeant. Il y a une vibe de gourou, là, lui. Là. Lui, c'est sûr, ça finit en prison, là, cette affaire-là. Tu le vois, là, il est arrivé de quoi, là. Lui a raconté une histoire trop proche de quelqu'un. C'est une réalité qui n'existe pas, mais finalement, c'est une peut-être réalité la tienne. Qui existe. Peut-être mais toi, peut-être. Tard. Mais finalement, oui, elle va exister. Oui, c'est ça. Alors voilà. Tout ça pour dire que... Non, mais tu vois que c'est genre, tu sais, lui se trouvait wise, comme, tu sais, c'est comme je revire ça bien. Tu fais non, tu fais juste allonger puis alourdir le texte. C'est pas pratique. Lui, il devait connaître le gars d'harmonium, là, tu sais, puis en parler tout le temps. C'est là. Vrai, mais il y a de l'air d'avoir cru se tenir. Ouais. Il l'a croisé. Le gars d'harmonium, il s'en souvient pas. Mais genre, lui, il s'en souvient. Si, il connaît. Il compte à tout le monde, ça, la fois qu'ils ont passé une soirée ensemble. Ben lui, il dit qu'il a plus de bière avec, mais finalement, il l'a vu d'un bar, puis quand il est parti, il est allé boire son verre. Ah oui, il connaît juste le bassiste d'harmonium. Il dit qu'il connaît le gars d'harmonium. Mais le bassiste juste du deuxième album. Toby Pelletier. Toby Pelletier. Il faut être là longtemps, mais. Non, mais regarde.